L'anime One Piece a 20 ans. Pour célébrer cet anniversaire, on vous livre quelques anecdotes liées à son univers. Il ne manquait que ça à la franchise, une série live. C'est Matt Owens, scénariste sur Agents of S.H.I.E.L.D. et Luke Cage, qui signera l'histoire de cette adaptation. Pas de date de diffusion connue, on attend de voir avant de juger. À l'occasion des 10 ans de One Piece, le Weekly Shonen Jump a publié une histoire originale réunissant les univers de One Piece et de Dragon Ball. Cross Époque, c'est le rêve de nombreux fans de manga, et Eiichiro Oda le premier. L'auteur de One Piece est en effet un fan inconditionnel d'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Bon, après, le récit est anecdotique et plus un manga choral. Mugiwara no Ichimi, l'équipage de Chapeau de Paille, c'est le nom de la bande de pirates de Luffy. Mais c'est aussi le pseudonyme de Maître Gims. Dans son entourage, on appelait le chanteur Mugi. Un jour, quelqu'un a suggéré Mugiwara no. Maître Gims s'accroche tout de suite. C'est l'époque de Section d'Assaut. Maître Gims se prend pour le Luffy du rap, qui guide son bateau Section d'Assaut. Quand prendra fin le manga One Piece? Eiichiro Oda a donné un élément de réponse à l'été 2019. Alors qu'il participe à une émission japonaise animée par un groupe de youtubeurs, il déclare qu'il compte achever son œuvre en 5 ans. Le chapitre 597 marquant la moitié, le manga compterait au final 1194 chapitres.